fait, je crois qu'il les aimait. Il disait que aussi, crois qu'il les aimait. Et il y a les hommes pour un rapport, il m'a dit, bâti en concret, bâti. Eh bien, oui, il y a. Et je me
suis fait des amis. Là-bas, j'ai trouvé Jean-Pierre Bemba, qui est devenu un ami à moi. J'ai trouvé Taylor, mais Taylor, il n'est pas resté très longtemps. Quand je suis arrivé, on l'a condamné et puis on l'a amené dans une autre prison, ailleurs. Mais j'étais là-bas. J'ai fait 8 ans, fait 1 an presque à Korogo. Et puis 7 ans à La Haye. Mais je n'ai pas vu trop les jours passer parce que les Ivoiriens, les Africains d'Europe, ils m'ont vraiment adopté. Donc, tous les jours, j'avais des visites. Tous les jours, j'étais occupé à recevoir. Ma petite femme, là, n'est pas là, elle n'est pas ici. Nadine, il faut la remercier. Non, mais parce que quand on est en parole avec une femme, on dit tout sur elle. Mais ce qu'elle a fait de bien aussi, faut dire. Voilà, pour que tes parents puissent te dire, je me dis, avais dit ça à la femme, il ne faut pas trop l'inciter. Et voilà. Elle a bloqué, elle a quitté Accra, où elle était à l'exil, pour demander l'asile aux Pays-Bas, pour être à La Haye à côté de moi et venir me voir toujours. Les Pays-Bas ne lui ont pas accordé l'asile. Donc c'est la Belgique qui lui a accordé l'asile. Bon, elle était à Bruxelles donc. De Bruxelles à La Haye, ça fait 200 km. Aller et retour, ça fait 400 km. Donc elle a bloqué 3 jours, mardi, jeudi et samedi, où elle était avec moi. Elle faisait 400 km en voiture, au volant. C'est ça qu'elle a fait pour moi, principalement. Principalement. Pour ne pas que je sois seul. Elle me nourrissait aussi, parce que je n'avais pas d'argent là-bas. C'est elle qui me donnait chaque mois de l'argent. Parce que la nourriture qu'on nous sert, une prison, la nourriture n'est jamais bonne. Même si c'est une prison de blanc. La nourriture n'est jamais bonne. Donc, nous-mêmes, on cotisait. Et nous étions 3. À cotiser pour la dizaine. Il y avait Taylor, il y avait Bemba et moi. Après, on a enlevé Taylor, on est resté 2 à cotiser. Après, on a libéré Bemba et j'étais seul à cotiser. J'étais seul à cotiser, mais c'est l'argent de Nadine. C'est l'argent de Nadine. Donc, il faut la remercier. Parce qu'elle m'a permis de nourrir tous les Africains qui étaient en prison. Elle me donnait l'argent, je leur donnais, ils achetaient les vivres, ils faisaient la cuisine et puis nous mangeons tous ensemble. Donc j'ai vécu comme ça 8 ans. J'ai vécu comme ça 8 ans. Au début, j'avais un peu peur. J'ai dit, ah, peut-être que mes gens ont fait des crimes et puis m'ont caché ça. Parce que pour moi, je n'avais pas de fusil. Donc, si on m'a arrêté, c'est à cause des FDS.
l'armée, la gendarmerie et la police. Et peut-être qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et puis, j'ai vu Fatou Bensouda arriver et puis réciter tout ce pourquoi on m'accuse. J'ai dit, c'est encore déjà là. J'ai dit, c'est encore déjà. Mais donc, il n'y a rien. J'ai dit, mais t'as dit, ce que je t'avais dit là, qu'il n'y a rien là, c'est qu'il n'y a rien. Donc, tu peux me défendre. Effectivement, il n'y avait rien. Il y a des témoins même qui venaient en leur demandant quel est le nom de ton village, et puis ils disent, attendez, je vais chercher. En Babo, on m'amène quelque part, on me demande quel est le nom de ton village. Et puis je ne sais pas que je ne voulais pas, mais. Non, mais. Il y en a qui ne savent pas. Il y en a en leur demandant, est-ce que vous connaissez le monsieur là? Il dit, non, moi, je ne l'ai jamais vu. Mais tu l'accuses pourquoi? Et puis il y en a quand ils avaient fini de témoigner. Il dit, pardon, je voudrais aller les saluer un peu. Bon, donc, on s'est amusé comme ça parce que c'était plus des amusements. Mais sauf qu'on était en prison. C'était plus des amusements. C'était pas sérieux. Je vous dis, ce n'était pas sérieux. Il fallait écarter un homme gênant, un concurrent gênant, alors on m'a mis là-bas. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Parce que si j'étais venu avec un titre de criminel, c'est vous tous là qui allez avoir honte. Or, même les blancs qui ne nous connaissent pas, là, qui ne connaissent pas nos petites querelles ici, là, ont su que je ne suis pas un criminel. Moi, je fais tout, hein, mais je ne suis pas un criminel. On peut m'accuser de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais pas de crime. Je vais faire quoi avec ça? Je vais faire quoi avec ça? Donc, quand en novembre 2018, on nous avait promis 135 témoins de l'autre côté, du côté de l'accusation. Il y a 82 qui sont passés. Le juge demande au procureur, vous avez encore des témoins? Il dit non, c'est fini. Les autres ne veulent pas venir. Les autres ne veulent pas venir. Alors, le juge, les trois juges, ils ont appelé nos avocats, mes avocats et les avocats de Charles Brécoudé. Ils disent, plaider. Les avocats disent, mais on n'a pas encore fait venir nos avocats. Ils disent, c'est pas la peine, plaider. Plaider parce que déjà les avocats qui sont venus pour accuser Babo, ils ont blanchi Babo. Les témoins qui sont venus pour accuser Babo, ils ont blanchi Babo. Donc, vos témoins vont venir pour faire quoi? Donc, plaider. Et puis, on va quitter ici. Et puis, on va quitter ici. Donc, non, descends devant. Donc, ils l'ont plaidé.
Et c'était en novembre, décembre, il y a eu le congé de Noël. Et nous sommes revenus en janvier 2019. À la reprise de l'audience, le 15 janvier 2019, le juge principal Kano Tafusa, il dit que l'accusation n'a pas été seulement faible, mais elle a été très faible. Et que lui et son collègue de la Jamaïque, parce qu'ils sont trois juges, donc sur deux sont d'accord sur une décision, c'est cette décision qui prend. Lui et son collègue de la Jamaïque, ils ont décidé d'acquitter immédiatement Laurent Gbagbo et Charles Boudé. C'est là que le bureau du procureur s'élève. Vous dites, bon, il ne faut pas le mettre, il ne faut pas le libérer pour le moment. Parce que nous, on va faire appel. Donc, mon avocat me demande la conduite à tenir, j'ai dit non. Moi, j'ai déjà fait 8 ans. Tout le monde a entendu que je suis acquitté. Même si je dois faire un mois ou deux mois, ça, c'est pas un problème. On dit je suis acquitté. Donc, je suis acquitté. On nous a gardé 15 jours. Et puis, au début de février, on nous a fait sortir. Moi, j'étais dans un hôtel, le Goudé était dans un autre hôtel. J'ai fait venir Nadie, elle est venue me chercher. Et je suis allé à Bruxelles. J'étais à Bruxelles. Quand Maurice Dicaurier et son équipe dirigeante sont venus me voir au nom du président Bédé. Pour la suite, vous la connaissez. Après, j'ai reçu le président Bédé lui-même à Bruxelles. Un jour, il y a un gars d'un ministère de Belgique qui me fait parvenir un mot. Il dit, monsieur Gbagbo, vous êtes ici, vous ne devez pas faire de politique. Oh, on voit que vous faites de la politique. J'ai dit comment ça? Il dit vous avez reçu le président Bédié et une délégation du PDCI. J'ai dit bon, quand c'est comme ça, là, qu'est-ce qu'on fait? Quel que soit qu'on est, ça va prévenir. Quand c'est comme ça, là, qu'est-ce qu'on fait? Il dit non, il n'y a rien, mais c'est pour vous dire que j'ai dit bon, ça n'y a rien que je retiens. Je reste là, il faut le dire. Moi, vous m'avez amené ici à cause de la politique. Et vous ne voulez pas que je fasse la politique? Ce qui m'a amené ici, là, c'est ce qui va me sortir d'ici. C'est la politique qui m'a amené ici. C'est la politique qui va me sortir d'ici. Donc il ne faut pas vous amuser en disant, en croyant
que je ne vais pas faire de politique. Je fais la politique toujours. Je fais la politique toujours. Donc, voilà. Bon, et puis ça, c'est passé comme ça. Et le procureur a déposé, a fait un appel, mais c'était surtout Zouliro, le quoi. C'était surtout pour une affaire de honte. Voilà. Pour essuyer la honte. Voilà. Non, on ne devait pas dire comme ça, on a mis comme ça. J'ai dit, je suis libre ou je ne suis pas libre. On dit, tu es libre. J'ai dit, bon, c'est tout. Le reste, là, ce n'est rien. Voilà. Donc, je suis venu. Je suis venu. Tout à l'heure, j'ai été très heureux que le frère Dicavier ait joué un rôle important dans le rapprochement entre nos deux parties. Voilà son frère et ami Assouadou ici. Ils sont face à face. C'est les deux sorciers. C'est eux qui discutent toujours la nuit. C'est eux qui discutent toujours la nuit. Donc, les parents, je suis là. Je suis là. Je suis là. Les chefs, je vous salue. Je vous salue vraiment. Je vous salue beaucoup. Je vous salue. Bertin, c'est mon parent. Roger Bertin, le chef de village ici. Son père, qui s'appelait Jogo Passi. Je n'ai pas l'habitude de l'appeler mon cousin ou mon grand frère. Je l'appelle président. Parce qu'à Abidjan, on avait une association des cadres de Mama. Et c'était lui notre président. C'est lui, c'est chez lui qu'on se réunissait. Toujours. C'est chez lui qu'on se réunissait. À Ebougon. Et nous, là-bas, on disait qu'on a déjà notre chef. Hein. Donc, quand nous sommes arrivés ici, et que l'autre chef de village était décédé, qu'il fallait trouver un chef de village, Bélé Boniface, qu'on appelle Guyot Jean, qui est d'ici, il m'a appelé, il dit, grand frère, l'histoire des chefs de village, à qui tu dis? J'ai dit, mais nous, on a déjà nos chefs de village. Et comme il est à la retraite, c'est enlevé là-bas. Il y a mon temps que je m'en prie. J'ai dit, mais tu vas dire à tes parents, parce que comme lui, il est de l'autre quartier, je suis de ce quartier. J'ai dit, tu dis aux gens de l'autre quartier là-bas que Roger Bertin est notre chef de village ici, à Abidjan. Or, nous tous, on est à la retraite. Et moi, je vais dire aux gens de mon quartier que Roger Bertin est notre candidat. C'est comme ça. Donc je le remercie, il est dans son travail. Il nous a toujours guidés comme ça, même à Abidjan. Merci, Bertin. Merci pour ton travail. Comme toujours, Yao, lui, son père était chef de village ici. Gori. Gori Samuel. Et quand justement on avait l'association avec le Bertin, il y avait le grand frère de Cadet, désiré, je ne savais pas où il est. Désiré là, hors d'eau, hors zoom. Ah. Mais depuis que je suis venu, je ne l'ai pas vu. Donc il y avait désiré, lui, moi.
son beau Sébastien qui vient de mourir. Et, bon, puis on venait faire les réunions pour essayer de voir ce qu'on peut arranger, ce qu'on peut faire pour le village. Et merci. Et puis, toi, merci aussi pour le village. Vous tous, je vous remercie. Vous tous, je vous remercie. Je remercie les chefs de banque. Je remercie les chefs de bureau. Je remercie les chefs de béquier. Je remercie. Non, mais je te désire parce que tu es. Tu es le porte-parole. Oui, oui, oui. Je remercie, j'ai dit les chefs fruitiers, les chefs de. Zabia. Oh, oui, oui. Zabri. Zabia. Je remercie les chefs de Guéa. Les chefs de Dri. Les chefs de. Enfin, tous les chefs. Zabri. Hein? Ah oui, les chefs qui viennent, oui, ceux-là, il faut. Hein? D'accord. Bon, tu vas les remercier pour moi après. Je les remercie tous, 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 tous. Et je les remercie pour moi. Je les remercie pour l'amour fraternel qu'ils m'ont porté aujourd'hui. Et cet amour fraternel-là, c'est qui me le porte depuis toujours. Je les remercie. Je les remercie. Je remercie les cadres. Les cadres. Parce que dans un département, dans une région, quand il y a les parades, ça commence par les cadres. C'est eux qui se battent toujours. Oui, je vais être ceci, je vais être cela, je vais être ceci, je vais être cela. Mais nous sommes des cadres orphelins. Nous sommes des cadres orphelins. Donc on n'a pas à se battre. Si quelqu'un, on est dans le puits, si quelqu'un grimpe pour sortir du puits, ne le tirons pas pour le faire tomber. Poussons-le plutôt pour qu'il sorte. Parce que si lui il sort, il peut peut-être nous aider en nous envoyant une corde pour nous tirer. Donc, il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Ne jetons pas l'anathème les uns sur les autres. Ne jetons pas l'anathème les uns sur les autres. Ne traitons pas en douce les uns et les autres. Voilà. Moi, dit quand même, il est fait ici, mais ça fait quoi? Il est fait ici, ça fait quoi? Ça fait rien. Quoi que y'a. C'est ça que je retiens. C'est ça que je retiens. Le professeur, qui est mon petit frère, bon, il est PDCI, il a été ministre du Fouet. Mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Parce que si on doit être tous d'accord, toujours, il n'y a plus de démocratie. C'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'il y a la démocratie. Là, on organise des discussions, tout ça. Donc, moi, je m'entends bien avec eux. Je m'entends bien avec eux. Jérémy Pagnon, est-ce qu'il est là? Oui. Voilà. D'accord, mais je. Tout ça. C'est lui qui m'a donné d'ailleurs mon premier salaire. Quand j'étais étudiant,
il avait son collège primaire à Divo. Il est venu, je suis allé enseigner là-bas un mois, deux mois. J'avais la joie d'avoir un salaire. Parce qu'auparavant, j'avais des bourses. Mais là, j'avais un salaire que j'avais mérité parce que j'avais travaillé. Et donc, je vous salue. Je vous salue. Tidiaï, la nuit tombe. La nuit tombe. Je vais libérer la route aussi. Je vais libérer la route et pas trop vous retenir. Mais je suis fier de voir cet appartement rempli et débordant. Voilà. Je suis fier. Parce que je ne croyais pas que cet appartement-là pourrait être un jour rempli. Et je suis fier de le voir rempli et débordant. Tous les chefs, je salue tous les habitants de vos villages. Je demande à Dieu de vous bénir. Je demande à Dieu de bénir toutes vos populations. Je demande à Dieu de bénir toutes vos femmes, toutes vos filles. Je demande à Dieu de bénir tous vos jeunes. Voilà. Ayao. Et pourquoi Kayo? Et pourquoi Kayo? Et pourquoi Kayo? Elle a compris. Elle a compris. Elle a compris. Excellence, monsieur. C'était là l'adresse de son Excellence, le président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on peut encore acclamer le président Laurent Gbagbo dans un standing ovation? Merci, président. Merci d'avoir dit le mot qui sauve, qui apaise et qui rassure. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette rencontre. Tout à l'heure, son Excellence, Monsieur le Président, va prendre congé de nous, suivi des personnalités qui sont sur l'estrade avec lui. Ils seront suivis par les autres personnalités au premier rang et le public suivra. Mais avant qu'il se retire, le groupe Zakeliba a tenu à lui dire au revoir et à bientôt. À présent, nous allons donc admirer encore le groupe Sekeliba dans cette dernière prestation avant que le président et sa suite ne prennent congé de nous.